Arnaud et Sophie constatent que le produit de leurs âges en nombre entier d'années est égal à 768, tandis que dans un an, le produit de leurs âges sera égal à 825. Quel était le produit de leurs âges il y a un an? Appelons grand A l'âge d'Arnaud et grand S l'âge de Sophie. Ainsi, nous savons que A fois S est égal à 768. Par l'énoncé, nous savons aussi que A plus 1 fois S plus 1 est égal à 825. Ici, nous distribuons le tout, ainsi nous obtenons que A fois S plus A fois 1 plus 1 fois S plus 1 est égal à 825. Nous savons que A fois S est égal à 768. Et donc, nous obtenons que A plus S est égal à 825 moins 1 moins 768. Ainsi, nous savons que A plus S est égal à 56. Ce que nous cherchons, c'est A moins 1 fois S moins 1. En distribuant le tout, nous obtenons A fois S moins 1 fois A moins 1 fois S plus 1. Au milieu, on peut mettre un moins en évidence et ainsi nous obtenons A fois S moins A plus S plus 1. A fois S est égal à 768 et A plus S est égal à 56. C'est ainsi que nous obtenons, comme produit demandé, 713. Et par conséquent, la réponse finale à la question posée, c'est 713.